mes scrapettes et mes scrappeurs. Alors, ce soir, parce que, enfin, ce soir, cette fin d'après-midi, ça ne sera pas une vidéo tuto, mais une vidéo présentation d'un projet que j'avais en tête depuis, oula, un petit moment, mais je cherchais les calculs, je cherchais comment faire, donc, ça y est, il est fait, il est tout juste fini. Alors, je vous présente et je vous explique après. Alors, devant, nous avons... Alors, c'est un coffre que j'ai fait avec du bois. Du carton épais de récupération. Tout est de récupération au-dessus, sauf bien sûr hein, les petits... J'ai mis une petite fermeture, un camé que Kako m'avait envoyé, des petits trucs en bois qu'une copinette m'a envoyé, des petites choses en métal, des perles, des petits coins ici que ma belle-sœur m'a donné, des perles, un petit mot famille en bois, un petit ange, ça c'est ma carinette si je ne me trompe pas qui me l'a envoyé. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Sur les côtés. Ah, il y a un petit bout qui dépasse. J'ai mal fermé. Et le derrière. Donc voilà mon coffre. Un vieux coffre au trésor qui cache des choses. Eh oui. Donc j'ai fait de la patine de bronze. J'ai pris une... J'ai mis du... Du noir, du vert, du jaune et un peu de or en couleur. J'espère que vous allez bien. En fait, j'ai oublié de vous demander. Et ça fait vraiment le coffre au trésor qui a été abandonné. Voilà. Et quand on ouvre ce petit coffre, en dessous, j'ai mis des petites perles. Hop là, des petites perles pour faire les pieds. Oui. Pour le garder un peu plus. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais essayer d'allumer un peu la lumière. Bougez pas. Est-ce que c'est mieux? Ouais, pas vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'espère que vous voyez bien les couleurs. J'aime beaucoup. Alors, je fais très rarement du... Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. J'ai un trou. Et allez, je l'ouvre de mon côté et je vous dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vous montre ou je vous montre pas. Et en fait, mon coffre au trésor, c'est un calendrier de l'Avent. Voilà, donc les petites boîtes, et oui, dans les coffres au trésor, il y a souvent des fonds cachés, et voilà, les dernières boîtes. Donc j'ai mis du papier de Noël à l'intérieur, j'ai mis du papier or sur les côtés, et, alors, je ne sais pas comment vous le montrer, parce qu'il est grand. À l'intérieur, j'ai fait une scénette. Donc j'ai mis de la fausse neige, des petits die-cuts que j'ai mis en 3D, Noël, des flocons, des petites clochettes. Je ne sais pas si vous voyez tout en fait. Comment je pourrais faire? Parce qu'il est vraiment... Attendez, je vais essayer de le poser comme ceci. Je vais essayer de vous... Voilà. On va faire par étapes. Hein. Il est très grand. Hein. Enfin, il est très grand. Non, il n'est pas si grand que ça. Je vais vous le mesurer après. Donc, des petits rennes, des étoiles, des flocons, des branches de neige, de la fausse neige tout autour. Le mot Noël. Joyeux Noël. Je vous disais, des petites cloches. Une petite chouette. Et ouais, Edwige est parmi nous. Donc, voilà. Mon... Calendrier de l'Avent, coffre fort. Pas coffre au trésor. Eh
oui. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça fait pas trop Noël le coffre d'extérieur. Oui, c'est sûr. Mais justement, les coffres de pirates cachaient des trésors. Et là, notre trésor, eh ben, c'est le calendrier de l'Avent. Eh oui. Alors, je vais essayer. Alors, est-ce que... Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis restée dans les bleutés, en fait. Comment je pourrais faire? Attendez, je vais chercher ma règle, j'arrive. Je vais essayer de vous remonter encore un peu. Voilà. Là, je pense que vous allez mieux voir. Donc voilà, ma scénette avec de la fausse neige. Sur les côtés, il y a des petites étoiles. Des flocons, une branche enneigée, une petite chouette Edwige, des flocons, les petites cloches, le joyeux Noël, et là, des petits animaux en, voyez, 3D, et le joyeux Noël ici. Je l'ai trouvé trop choupinou, ils étaient dans les couleurs, donc voilà. Donc, mon coffre au trésor, hop, c'est des boîtes vides que je garde pour mettre mes ustensiles dedans. Mon coffre au trésor qui est en fait... mon calendrier de l'Avent. Eh oui, j'avais cette idée depuis un moment. Depuis un moment. Alors, de large, il fait 20, un petit 24. Petit, petit, petit. Sur un petit 18 et en hauteur, quand je vais jusqu'en haut de l'arrondi, il fait 20. Voilà. Et je vous dis, c'est du... Alors, le carton fait cette épaisseur-là. Hein. C'est du carton qu'on avait récupéré. Bon, là, pour faire l'arrondi, je me suis un peu embêtée. Mais j'ai trouvé la solution. J'ai réussi. Et je cherche toujours... Comment on appelle quand on fait comme ça? Je ne sais plus. Vous me le direz en commentaire parce que là, franchement, je ne sais plus. Donc, voilà. Je suis en avance cette année. Eh ouais, les calendriers de l'Avent. Je suis toujours très en retard. Bah là, j'étais en avance cette année. Pour une fois, je suis en avance. Oh, je sais plus du tout comment on appelle ça, là, quand on... Je sais plus. J'ai un trou. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, j'adore le principe du coffre-fort, du coffre au trésor, calendrier de l'Avent. J'adore. Et j'en ai jamais vu. Franchement, j'en ai jamais vu. Donc, avec un double fond, je vous remonte. Parce que je suis à l'envers, alors je vois pas beaucoup. Double fond pour avoir toutes les... J'ai l'impression, il fait gris en plus. J'ai l'impression qu'on voit pas bien. Pour avoir toutes les boîtes. Vous voyez, il y a de l'or. Donc, voilà. Mon petit projet... de calendrier de l'Avent pour cette année, mon modèle. Je ne sais pas si je ferai un tuto, j'en sais rien. À voir, à voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Donc mes loulous, je vous fais des gros gros bisous. Si vous avez aimé cette petite vidéo très rapide, très simple, très calendrier de l'Avent original, et voyez que ça gêne rien. Je peux le fermer. Ça gêne strictement en rien. Hop. Il y a juste le fermoir qui est neuf. Alors, hop. Et il n'y a rien qui gêne hein, pour la fermeture. Strictement rien du tout. Hop. Hop. Ah oui. C'est bien ruban. Il va falloir que je fasse attention quand je ferme. Hop. Et le derrière. Hop. Voilà. Sur ce, mes loulous, je vous fais des gros bisous. Si vous aimez cette petite vidéo avec la présentation de mon calendrier de l'Avent très original, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!